Taurine. Je vous remercie. Donc, mes chers collègues, cet article projette d'assigner à résidence tout étranger faisant l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Cette mesure est particulièrement contradictoire car il s'agit à la fois de faire confiance à la personne en question en lui accordant un délai de départ volontaire, tout en la forçant à rester cloîtrée dans un espace dont la localisation aura été choisie par les autorités administratives compétentes, et ce au mépris de la situation personnelle des personnes concernées ou à leur état de santé. Pourquoi donc décider d'accorder un départ de délai volontaire s'il s'agit d'enfermer ces personnes ? Il s'agit une fois encore de postuler que les étrangers sont toujours susceptibles de fuir et sont des criminels en puissance. Il est également important de souligner que cet article, à l'image de ceux que nous avons déjà discutés, contrevient dangereusement aux libertés fondamentales. On nous avait expliqué que l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence servait à surveiller les personnes suspectées de terrorisme. Maintenant, voilà qu'elle est appliquée à des personnes dont le seul crime est de ne pas être à l'endroit où on voudrait qu'elle soit. C'est donc au nom d'un traitement correct et digne des étrangers que nous condamnons cette mesure et que nous voterons contre cet article. Je vous remercie.